Le stop trottoir. Aujourd'hui, on va parler du stop trottoir et ce que ça va vous apporter. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grille, donc constructeur en France de machines à glace à l'italienne. Donc on fabrique la seule machine made in France. On fabrique aussi la première turbine à glace horizontale made in France, ainsi que la seule machine à sucette glacée made in France. Je suis aussi auteur du livre Le Business de la Glace, donc un guide complet qui parle de tous les concepts. Si jamais vous êtes intéressé pour vous lancer vraiment dans la vente de glace, ce petit bouquin-là est fait pour vous. On parle de tout le matériel nécessaire, de tout le potentiel, de ce que vous avez besoin, combien ça coûte et combien ça va rapporter. Donc aujourd'hui, on va parler du stop trottoir. Le stop trottoir, regardez, la glace géante, d'accord? Ça, c'est le truc qu'il vous faut absolument. Les gamins, ils vont la reconnaître, les cerveaux vont la reconnaître. Les petites neurones vont dire sucre, sucre, il me faut du sucre, il me faut une glace. Ça, si vous le mettez de loin, on va voir comme quoi vous fabriquez des glaces à l'italienne. Et du coup, ça va déjà commencer à agir, à convaincre le cerveau, d'accord? Le subconscient va s'attaquer au subconscient, au conscient, et il va y avoir conflit, d'accord? Et il va s'arrêter dans votre boutique, d'accord? Ça va doubler votre chiffre d'affaires, d'accord? Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans un endroit, j'étais dans une foire, d'accord? Mais j'étais vraiment, quand tout le monde rentrait là, et moi, j'étais là-bas au fond. Et du coup, bah, quelqu'un m'a prêté un stop trottoir et j'ai vu tout de suite la différence, d'accord? Le chiffre a boosté de loin parce que ça, ils le reconnaissent de super loin, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un truc qu'il vous faut. Le stop trottoir, ça va vraiment, vraiment augmenter vos ventes, d'accord? Donc tout ce qui peut ressembler à une glace comme ça. Si, alors, c'est vrai que utilisez plutôt une glace à italienne pour faire voir que vous faites de la glace à italienne, d'accord? Prenez pas un truc avec des boules parce que ça fait juste glace, d'accord? Glace à italienne, je rappelle que c'est la seule glace que les gens ne peuvent pas avoir chez eux, donc ils vont venir acheter chez vous. Ok? Donc, il existe aussi un truc qui est pas mal, c'est avec une poubelle. Nous, justement, celui qu'on avait, je vais voir si je peux récupérer ça, d'accord? C'est la même chose que ça, mais avec une poubelle. Donc du coup, ben, les gens ils mangent, ils peuvent laisser dedans les petits papiers et ben du coup, ça fait deux pierres de coups, enfin, une pierre de coups, d'accord? Ça sert de stop trottoir, de PLV sur publicité sur deux lieux de vente et ça sert aussi de poubelle, d'accord? Sinon, ben, c'est vrai qu'on peut mettre une pancarte, on peut mettre un oriflamme, d'accord? Quoi qu'il arrive, plus les gens vont vous voir et plus vous allez vendre, d'accord? Et ce que je dis quand je dis vendre, c'est pas... ça se ressent tout de suite, d'accord? Vous avez le même effet qu'une machine à glace à italienne, d'accord? Une machine à glace à italienne, vous avez vu, vous êtes une boulangerie, vous êtes un commerce, vous mettez la machine à glace à italienne, le jour qu'elle arrive, elle n'est même pas encore installée, que les gens vous demandent déjà des glaces. Et ben ça, ça a le même effet, d'accord? Ça, de loin, les gens, et ben ils vous voient. Il vous voit, donc du coup, ça laisse le temps au gamin de tripoter sa mère pour lui dire « Maman, il me faut une glace, hein? » D'accord? Voilà, ok, donc je m'étouffe, ok, donc voilà, donc le stop trottoir c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Moi celui-là on l'a pris sur Univers du Lac du Glacier, d'accord, c'est un site qui fait des produits glaciers,